Voici pourquoi beaucoup d'entrepreneurs perdent de l'argent. Je pense que dans ton entourage, tu as des entrepreneurs dans divers domaines, vente de produits et services, qui ne savent pas comment gagner plus d'argent ou qui même sont en difficulté. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement comment faire fructifier ton argent, comment pérenniser tes bénéfices afin de pouvoir justement être en sécurité financière. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube, activer la cloche et également à nous mettre un pouce bleu. Ça remercie notre équipe et également ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes qui s'intéressent à l'investissement immobilier. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à toutes les stratégies qui vont te permettre de pouvoir faire fructifier tes bénéfices, faire fructifier ton argent afin de justement être en sécurité financière. Comme tu le sais, je me retrouve une fois de plus à Kribi au Cameroun, donc je suis rentré pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine du digital et de l'immobilier. Dans cette vidéo, on va justement parler de pourquoi ça se fait que les entrepreneurs perdent de l'argent. Alors, dans mon parcours d'investisseur et entrepreneur, maintenant, j'ai eu à côtoyer pas mal d'entrepreneurs qui ont finalement de la misère à joindre les deux bouts. Quand j'ai joindre les deux bouts, c'est à gagner suffisamment d'argent et surtout à être stable financièrement. Et crois-moi que l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est pas facile. Et franchement, je lève mon chapeau à tous les entrepreneurs qui suivent cette chaîne parce que je sais ce que c'est que des fois de vivre dans le stress, de vivre dans l'incertitude du lendemain. Ça, je l'ai vécu. Mais justement, j'ai pu développer des stratégies qui m'ont permis de ôter ce stress-là et avancer de façon plus sereine dans mes différentes entreprises. Beaucoup d'entrepreneurs savent justement gagner de l'argent. Et crois-moi que lorsque tu es bon dans ton domaine, lorsque tu as une certaine expertise, lorsque tu crois en ton projet et lorsque tu es discipliné et déterminé, tu vas gagner beaucoup d'argent via l'entrepreneuriat. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la voie royale pour multiplier tes revenus fois 2, 3, 4, 5, voire même 10 en un temps record. Aujourd'hui, grâce au digital notamment, c'est possible d'aller beaucoup plus vite que la normale. C'est la raison pour laquelle moi, une partie de mes entreprises sont vraiment axées sur le business en ligne et sur le digital de manière générale. Et maintenant, beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, perdent de l'argent parce que ils n'ont tout simplement pas les fondamentaux des finances personnelles. Je pense notamment aux personnes qui font du e-commerce. Et aujourd'hui, tu vas voir beaucoup de jeunes sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, roulant en Lamborghini, s'acheter des Rolex, porter des vêtements de grandes marques, etc. C'est très bien, voilà, ils se font plaisir, ils se récompensent de leur effort, etc. Mais c'est un peu dommage dans le sens où c'est pas un business model sur la durée. De prime abord, lorsque tu vas lancer une activité et gagner de l'argent, il faut que tous tes bénéfices, tu les réinvestisses dans ton entreprise afin de décupler les revenus. Tu dois le faire pendant minimum un an. Moi, lorsque j'ai commencé à entreprendre, lorsque j'ai commencé à avoir mes premiers revenus, ce n'est qu'au bout d'un an et demi, voire même deux ans que j'ai commencé à me payer, à me verser un salaire. Et c'était même pas réellement un salaire, c'était plus je m'autorisais des expenses. Et ce n'est qu'à partir de maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, que j'ai commencé à me verser un salaire avec mon entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai passé mon temps à réinvestir mes bénéfices dans mon entreprise, dans mes équipes, à recruter des personnes pour m'aider à gagner en temps, à recruter des personnes pour m'aider à lancer de nouvelles lignes d'activité, à investir en immobilier pour justement pérenniser mon entreprise et mes finances. Et c'est une étape que beaucoup d'entrepreneurs sautent en fait. Parce que dès qu'ils vont gagner, je sais pas, 10, 20, 30, 40, 50 000, la première chose qu'ils vont penser à faire, c'est de tout simplement se faire plaisir. En se disant, voilà, j'ai travaillé dur, il faut que je profite de la vie, il faut que je me fasse plaisir, il faut que je fasse plaisir à mes profs, il faut que je montre au plus grand nombre de personnes que ça y est, j'ai réussi. Et ça, c'est une erreur monumentale. Il faut que tu saches une chose aussi lorsque tu entreprends, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs perdent de l'argent, c'est que tu ne dois dépenser que l'argent qui t'est généré par tes revenus passifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas gagner de l'argent, il faut que tu te dises que si tu veux t'acheter ne serait-ce qu'une chemise, si tu veux t'acheter ne serait-ce que, je sais pas, une voiture, si tu veux partir en vacances, il faut que tu trouves un moyen de payer ce montant-là avec de l'argent qui t'est généré de manière passive. Et ce n'est que comme ça que tu vas réellement avoir une stabilité financière. Ça peut prendre du temps parce qu'il va falloir que justement tu gagnes de l'argent
et que cet argent, tu l'investisses, que tu apprends déjà à l'investir au mieux et que tu attends que tes investissements commencent à te générer suffisamment de revenus pour te faire plaisir. Et aujourd'hui, ce que moi, je vais te proposer, c'est justement d'accéder à plusieurs stratégies que bon nombre d'investisseurs ont suivies, que bon nombre d'investisseurs ont utilisées afin justement de se bâtir une certaine stabilité financière. Tu auras le lien juste en dessous, c'est une masterclass totalement offerte et avec les nouvelles stratégies qu'on applique avec nos participants ou moi-même où je te parle. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi justement dans quelle démarche tu es. Est-ce que tu es dans une démarche justement d'entrepreneur? Est-ce que tu es dans une démarche d'investissement ou tu es dans une démarche justement de recherche d'informations afin de pouvoir passer à une étape supérieure? Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de la liker, de la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.